2000, François Félix, 2000. 2000 euros pour François. 2000 euros, c'est ici. 2050, est-ce qu'on a 2050 euros? 2050, ils sont ici. 2050, c'est-à-dire en tout cas 2050. 2050, 2100 euros, c'est pour... 2100 euros, oui. C'est ici, c'est François qui a 2100 euros. 2100 euros, 2100. Est-ce qu'on a 2150? Est-ce qu'il y a 2150 pour ce couple de la très très belle femelle ici avec sa génisse? Quand elle est gestante, 2150, c'est derrière moi. C'est Léo qui a 2150. Et 2002, est-ce que François va faire 2002? 2200 euros, est-ce que tu as 2200 euros, François? 2200, c'est fait, oui, 2200. 2200, 2150, 2250, qui c'est qui me fait? 2250 euros, 2250 euros, Léo. Léo, est-ce que tu fais 2250 euros? Willy, est-ce que tu veux nous expliquer encore quelque chose sur le pédigré, s'il te plaît? Vous êtes tout simplement dans la souche du taureau Pernant, Ricochet. Dernièrement, le taureau Gare, qui d'ailleurs, en parenthèse, confirme la dernière indexation. J'ai envie de dire que c'est une famille confirmée, reconnue, et encore une fois, avec du potentiel laitier. Eh oui, c'est que du confirmé. On reparlait tout à l'heure de Gisny et sa maman qu'on a vu sur les concours un petit peu. Et je trouve, est-ce qu'on verrait pas un peu de temps en temps des vaches de cette famille sur les concours? Il y a un petit taureau là. Et je trouve, c'est toujours un taureau qui est très laitier aussi, par la même occasion. Et oui, et si on parle de Utopie, c'est pas la famille de Schtroumpf ça aussi? Elle vient de gagner récemment le concours Autry, meilleure mamelle du concours en plus. Voilà, vous savez tout ça fait que c'est du cumul. C'est du cumul, il y a que du bon, allez-y. 2200 euros, est-ce que j'ai gagné? 2250 euros, 2250. C'est fait, 2250 euros, c'est pour Léon, 2250. Est-ce que François, t'as la réponse? C'est 2300 euros. Cédric, va chercher bonheur. 2300 euros, 2300, c'est là, 2300, François, 2300. 2350, voilà, c'est pour Léon, 2350, 2400. Est-ce que tu nous fais 2400, François? Ou Léon, est-ce que tu as gagné dans 2400? C'est fait, François, 2400. 2400 euros, c'est fait. À 2400, 2400, 2450, 2450. Ou je te donne 2500. On va faire un contrôle, 2500. Est-ce qu'on a quelqu'un à 2500 euros? On est plus à 100 euros près, les petits gars. Allez, on est à 2500, il y a 2500 euros. À 2500 euros, est-ce qu'on a quelqu'un à 2500? Voilà, c'est fait, oui, 2500. Bravo, bravo, les tireurs. On peut les applaudir, s'il vous plaît. 2000 réponses à 2550. 2550 ici, 2550. Est-ce qu'on a 2600 ce côté? Est-ce qu'on a 2600? 2550, c'est à ma gauche. C'est François qui a 2550. 2550, est-ce qu'on a un acquéreur? 2600, oui, 2600, quelqu'un répond. 2600 euros. À 2600, 2650, est-ce qu'on a quelqu'un à 2650 euros? 2650, est-ce qu'à gauche? Oui, voilà, François, 2650. À 2700, 2700, est-ce qu'on a quelqu'un à 2700? Léo, est-ce que t'as quelqu'un à 2700? Cédric, à 2700 euros? À 2700 euros, est-ce qu'on a trouvé un acquéreur à 2700 euros pour cette belle belle jeunesse gestante d'une femelle? 2700 euros, est-ce qu'on a quelqu'un à 2700 euros? 2650 pour François. Est-ce qu'on fait 2650 une fois alors? Non, quand même, voilà! 2700, c'est Léo qui a la main. 2700 euros, 2700. À 2700 euros, 2750, est-ce qu'on a quelqu'un à 2750? 2700, 2700 une fois? 2700, deux fois, mais non, voilà, 2750, à 2800 euros, est-ce qu'on a quelqu'un à 2800 euros sur cette génisse-là, 2800 euros, cette génisse, il y a une pétrie de qualité, on n'est que sur une base de gros travail, le fait par une hôtesse, par les éleveurs, vraiment, il n'y a que des bons taureaux là-dedans, que des grosses familles, pour seulement 2800 euros, est-ce qu'on a quelqu'un à 2800 euros, c'est François qui est à 2750 euros. 2800 euros, est-ce qu'on a quelqu'un à 2800 euros? Léo, est-ce que t'as quelqu'un à 2800 euros? Et à 2750, une fois? 2750, deux fois, 2750, trois fois, bravo, bravo, bravo. On applaudit s'il vous plaît les présidents qui ont visité cette jeunesse, bravo.